Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen pwoblèm? E pi kè ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj pwoblèm mwen yo soti sou dom. Si se kon sa, mwen pou al kouvri achete yon bib. Degaje ou manche. Men, an atandan, ou katan de Radio Télévision d'Espoir? Radio Vision d'Espoir? Oh, mwen te tande yon anons kon sa, oui. Men ki sa se a te di? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Genèse chapitre 39. Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre mon Dieu ?» Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave Hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu ces paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà,
ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph. Il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Genèse, chapitre 40. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Psaume 48, Cantique. Psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand,
Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Psaume chapitre 49. Ô chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrai-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront. Les sages meurent. L'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point avec après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères. Oui, jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur
et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. 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 Psaume chapitre 50. Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient. Notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi pour le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu. Ton Dieu, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plains avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles comme ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Marc, chapitre 5. Jésus sur le territoire des Gadaréniens. Guérison d'un démoniaque. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, «
Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Résurrection de la fille de Jaïrus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. »
Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole. Que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.